Carly seul. Faites comme moi, allez dans un commissariat avec la vidéo. Vous montrez le lithium, vous dites que c'est pour acheter les armes. En tout cas, même seulement ce que j'ai fait, ça va. Hein, vous n'avez plus besoin de faire. Seulement ce que j'ai fait, ça va. C'est comme ça là. Seulement ce que Nyata fait, c'est bon. J'ai servi le procès verbal. Je vais publier ça tout à l'heure sur mon mur. Seulement ce que j'ai fait, c'est bon. Salut Valet Capo. Si, ne signalez plus même le lithium. Ce que j'ai fait, c'est bon. Ils vont bloquer le lithium. Ils vont voir clair dessus. Ils vont faire des enquêtes dessus. Seulement ce que j'ai fait, c'est bon. Donc, c'est comme ça, là, plus le lithium dans la diaspora. Voilà. Ils ont signalé. On m'a envoyé dans un commissariat spécial. C'est un commissariat spécial fait pour s'appeler terroriste. Commissariat pour les terroristes. Les gens de Motazé, là. De Ngongo, les nièces de Ngongo et tout le monde. Ça allait sortir tout. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Faites comme moi, faites comme moi. Si. Voilà, on m'a envoyé chez les terroristes, j'ai signalé ça. Que c'est pour acheter les armes. Mais le policier a crié quoi? Dans notre pays, ici en France, ils ont organisé un liti. Il a donné le lien de liti, tout donné. Karine Richaud-Put. Karine Richaud-Put de Lyon, c'est elle qui a créé tout ça. Ils ont pris tous les liens à la police, avec la vidéo avec et tout. Donc le liti est signalé. Au vrai, vrai, quand moi j'ai fait ma chose, j'ai fait. Est-ce que je dis tout avec vous? Plus de liti dans la diaspora. Plus de lithium dans la diaspora, c'est comme ça et ça se passe et c'est ainsi. Vous allez lire, vous allez travailler comme nous tous, vous allez lire, on appelle ça lire. Allez, vous voulez prendre les prétextes que, regardez, nous on fait le lithium, on n'a pas l'argent pour payer les contraventions, vous voyez, on nous accuse qu'on a pris un émotage. Ça, c'est des alibis. Plus de lithium, j'ai signalé ça à la police avec la vidéo. Je suis pas en train de rire avec vous. Nous sommes en Europe, non? C'est vous qui avez que nous sommes en Europe, non? On va maintenant vivre comme en Europe. Casse-toi, me dis, mangue direct. Y'a qu'à ce moment-là, signaler ma meuf, comme ça, signaler l'ITI là. Quand c'est en direct. Je sors quand du commissaire, j'ai signalé, je suis bien bel et bien en France. J'ai signalé le l'ITI avec la vidéo à l'appui. Plus de l'ITI, allez travailler. Non, on n'est pas là, on peut travailler. Vous allez là, vous faites les l'ITI pour vous payer les contraventions, le ZEB de vos mains. En France, vous amusez avec les vidéos des terroristes. Vous êtes des terroristes. Plus de l'ITI dans la diaspora. C'est moi, Nyat, qui vous dit. Plus de l'ITI dans la diaspora. Vous n'avez même plus besoin de signaler. J'ai déjà fait le travail à la police. La police a qui prend le dossier en main directement. Avec tous les noms. J'ai identifié tout le monde sur la vidéo. On m'a demandé si je peux identifier les gens sur la vidéo. Je dis que bien sûr, j'ai identifié tout le monde sur la vidéo. Vous annoncez l'ITI pour anarquer le peuple camerounais. Vous êtes là pour lutter, pour chasser Biao, pour anarquer le peuple. Plus de l'ITI dans la diaspora. C'est moi, Nyat, qui vous parle. C'est fini votre vol là. Votre vol est terminé. C'est terminé, allez travailler. Bande de motazés, imposteurs. Je vous ai tous identifiés dans la vidéo. Fils du planteur, tout le monde. Avec Abdoulaye Thiam. Je vous ai tous identifiés. Avec vos noms à l'appui. Arrêtez de voler le peuple camerounais. Vous dites que vous êtes là, vous combattez. La bande en motazé à Mebengo. Bébé Doc, que j'ai envoyé en prison. Un connard. Sandy pute. Tu crois que tu peux faire quoi, Nya? Tu ne peux rien. Tu ne peux pas me saboter. Le peuple sait qui travaille, qui ne travaille pas. Voilà. L'abbé Samé, je te salue. Malgré que tu as fort comme l'autre jour, je te pardonne et te salue. Plus de litier. Sors comme ça, signaler ça à la police ici en France. Je suis dans Hora. Plus de litier. Vous allez lire avec moi, avec Nya, ton lire. Oui, bonjour Blandine. On se voit tout à l'heure. On prend un verre, signaler ça. Il y a le procès verbal et tout. Il y a danger tout le monde sur la vidéo. Il dit que le litige, c'est pour acheter les armes dans mon pays. Je veux pas que mon pays aille en sang. Je vais taper sec. Je ne suis pas en train de jouer avec eux. Montez les gars, on va. Montez les gars, on va. On va direction Bruxelles. Ah ouais, ouais, le connard, il est venu coller le connard. Plus de litige dans la diaspora. Plus de litige dans la diaspora. C'est pour tuer les Camerounais, les litis qu'ils ont lancés, c'est pour acheter les armes. Les armes de Mebengo. Motazé et Mebengo. Vous allez travailler comme nous on travaille là. Je suis en France depuis, je suis en train de rentrer à Bruxelles. Bande d'imposteurs. Voilà comment je travaille, regardez comment je suis avec mes passagers, je travaille. Travaillez comme moi. Salut Nino, travaillez comme moi, travaillez, battez-vous. Vous travaillez pour un Cameroun meilleur pour nous tous. Vous allez à chaque jour, litis, litis, les zébélo, gros creveux, mais litis.
plus le DJ signaler ça à la police. Ils m'ont donné, tu as donné la vidéo. Je vous ai tous identifié sur la vidéo. Avec moi, c'est quoi? C'est la guerre comme la guerre. Bande d'imposteurs, du tout, lutte pour l'Octamon. Affamé, va, assassin, escroc, génocidaire, transitionnaire. Bande de transitionnaires. Moi, je travaille comme moi, je travaille. Vous voyez pas que je travaille mes passagers. Je suis en train d'entrer à Bruxelles. Je suis en train d'entrer à Bruxelles. Le balcon. Allez, Nyanga, on va. Yannick, mais où est le PD là? Il vient d'acheter quelque chose là. Mais depuis qu'on a quand s'est garé là, il va maintenant acheter. Il a faim. Moi, j'ai pas le temps, je dois arriver à Bruxelles avant 18h. Yannick! Yannick! Mais on va à Londio! Regarde le temps, j'ai pas de temps, frère. Moi, j'ai la fête, t'es pas marié, j'ai les enfants, frère. Ah, il n'a pas les enfants, lui. Yannick, c'est un fou, il dort dehors. Les wayo wayo. Yannick, mais non, mon frère, il t'a mangé. Oh, Joe. Moi, je dis, t'as mangé, mais moi, je vais faire Bruxelles. Ben non. Yannick Benen, Yannick 160, pardon. On a trop perdu le temps. Ouais, j'aurais bien parce que je suis parti en combat de rêve. Ouais. Vite. Calice, vous n'avez plus besoin de signaler. Moi, je suis Goku au grand feu de signalement. Ouais, y'a pas de soucis. J'avais compris pendant les différents tournois. Je suis Goku au grand feu de signalement. Vous n'avez plus besoin de signaler. Elle s'appelle Azar, elle est de Bruxelles, mais elle viendra par rapport à nos disponibilités à nous. Donc, vous voulez voir si par rapport Garde-toi, il y a la poubelle. C'est lui qui vient les mettre ça. Hein. Il boit et jette au sol. Qui a jeté ça? Yannick! C'est qui? Mon grand frère. Il a pas habitué lui. C'est vrai, il y a la poubelle, il veut mettre à la poubelle, il met au-dessus, mais le vent fait jeter ça. À une station que nous tous on reste dessus. C'est pas sérieux. Oui, je peux. Plus de litige dans la diaspora à Cali, c'est fini. J'ai signalé leur connerie là, dis donc. Le merde. Travaille comme moi, mon frère. Je suis debout depuis 5 heures. Ah, là, quoi, pas, j'ai signalé votre connerie là. J'ai déjà été rentré. Je suis plein, hein. Plein. Dans la moto, plein. Passager, plein. Toujours confiance. Pour les dos comme ça là. Vous payez mes factures et contraventions, vous venez vous lancer les litiges. Bande d'imposteurs, voleurs, hein. Vous luttez là, vous luttez.